Donc voilà les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous faire une journée dans ma peau un mercredi. Donc j'ouvre mes volets tranquillement, je pars dans la cuisine, je vais déjeuner. Je vais me toucher, ensuite donc là je vais me maquiller, me coiffer et me préparer. Et hop, je file à l'école. Donc voilà les filles, je viens de rentrer de chez moi. Il est 11h45. Donc voilà, je viens de rentrer des cours, j'ai terminé. Là, je vais aller donc tout simplement regarder la télé, etc. Je vais aller manger. Donc je mange chez moi peinard, hein. Et donc après il faut que je change ma tenue puisque pour le spectacle de danse on a une tenue stricte à avoir. Donc un peu fantasy etc. Je vous mettrai tout ça tout à l'heure, donc toute ma tenue. Pour celles qui n'ont pas pu venir, enfin toutes celles qui ne peuvent pas venir à mon spectacle de danse ce soir à 18h30. Et ben vous verrez tout simplement le spectacle puisque je le filmerai. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est une petite journée dans ma peau comme ça. Même s'il n'y a rien de spécial à part... une répétition qu'on va faire chez moi avec des copines et le spectacle de danse. Mais bon, comme j'ai vu que vous étiez triste que j'avais pas posté ma vidéo avec Johanna sur ma journée dans ma peau parce que la vidéo s'est supprimée complètement, bah j'ai décidé de vous faire aujourd'hui ma journée dans ma peau. Donc voilà, bah là je vais aller me poser sur le canapé, regarder des petites vidéos etc. sur l'ordinateur et après je vous retrouve dès que je vais manger. Voilà, ciao. Donc là je suis sur mon canapé. Mais maman, non, c'est pas grave. Mais je t'aime. Moi aussi. Mais maman, arrête. Elle me prend pour une conne. Parce qu'elle m'avait dit de pas manger dans le salon et j'ai mangé dans le salon. Je suis ma rebelle. Bah, voilà ce que je suis en train de manger, des pâtes au fromage. Bon appétit. Je viens de finir de glander sur mon canapé. Donc bah comme à mon habitude quand je m'ennuie, je vais sur mon bureau make-up, je teste des trucs et tout. Il y avait un truc dont je voulais juste vous montrer hors vidéo, hein. Hors sujet complètement. Je pars très très loin, là, très loin. Je voulais juste vous présenter parce que je viens de recevoir ce matin le colis d'un abonné. Je voulais quand même vous montrer. Ah putain, ça déborde de partout. Oh là là. C'est entêtant tout ça. Oh. C'est que je m'en suis foutu partout. Devinez quoi? Du mascara. Pas n'importe quel mascara, un mascara bizarre. C'est un mascara comme ceci de chez Essence. Je vous montre un peu ce qu'elle m'a offert. Je m'en fous de partout. C'est bon, c'est fait. Hop, il y en a partout. Donc en fait, c'est bizarre parce que c'est sous forme de tube en fait. Et voilà. Et c'est genre sous forme de gouache en fait. Genre j'appuie, j'ai le mascara qui sort, mais je vais pas le faire parce que j'ai fait la connerie tout à l'heure. Tout est sorti. Donc on va essayer un peu de nettoyer tout ça. Là tu vois, je viens de perdre beaucoup de mascara. C'est entêtant. Je l'ai testé sur mes yeux là. Donc il fait un volume vraiment de ouf. On dirait Batman. Voilou, voilou. Donc j'ai testé et je trouve vraiment super. Donc c'est de la marque Essence. Hein, non. Essence. Ah pardon pour la petite tache. Mes mains sur toutes mes vidéos sont sales. Je le sais, je sais pas ce que je fais avec mes mains. Je touche à rien, je fais rien, j'ai des trucs sur mes mains. Ils viennent tout seuls comme par magie. Désolée. Donc voilà, donc de chez Essence, il est vraiment super. Ensuite, elle m'a ramené un crayon. Un crayon, donc, toujours de chez Essence. Donc voilà. Rétractable. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je vais éviter de péter la mine, ce serait sympa. Mon frère en scooter. Donc voilà, puis elle m'a offert un vernis
Donc, c'est un vernis toujours de chez Essence. Je sais pas si vous allez voir, en fait, je filme avec mon iPhone puisque j'ai plus de batterie dans ma caméra. C'est le Nail Candies Beauty Thing. Nail Polish. Donc, c'est le numéro 05 Sugar Pi. Sugar Pi. Voilà, c'est une sorte de mauve un peu rose pâle qui tire vers le rose pâle. En fait, à la caméra, il ressort. Mais vraiment mauve, mauve, mauve. Mais non, pas du tout. Il est vraiment, mais je l'ai testé, transparent en fait. Il ressort argenté et mauve à la caméra. C'est bizarre. Bref, mais c'est un petit rose pâle qui tire un peu vers le mauve. Voilà, que j'aime beaucoup. Puis elle m'a offert. Donc je sais que c'est hors sujet ce que je fais, mais voilà, je vous présente quand même. Deux petits. Donc un gel douche et un lait pour le corps qui sont magnifiques. Je l'ai testé. Je l'ai testé ce matin. Et donc, il y a écrit olive noire et grenade, les deux. Ça ne sent pas du tout l'olive noire, mais pas du tout. Et non plus la grenade. Je sais pas, ça a une odeur bizarre, mais magnifiquement bonne. Elle est tellement, tellement, tellement bien. Et j'adore. Ils sont vraiment tip top. Le lait pour le corps hydrate vraiment super bien, pénètre super bien sur la peau. Et le gel douche, bah, mousse bien, etc., etc. Bref, ils sont super, rien à dire. C'est donc elle habite en Suisse, donc je sais pas où ça s'achète, mais il faut absolument que je m'en retrouve les deux mêmes parce que j'en veux pour les vacances. Voilà, je veux les mêmes pour les vacances. Et par contre, je sais pas où je vais en trouver, mais voilà, voilà. Donc voilà, donc si elle passe par là, je vous fais plein plein de gros bisous. Donc maintenant, je vais me préparer, je vais sortir avec ma mère acheter une crème de chez Avène, une crème hydratante ou autre chose dans la parapharmacie puisque j'ai envie d'acheter quelque chose de nouveau. J'avais pas remarqué que j'avais un truc dans les cheveux. C'est mignon. Donc voilà, bah, je vais sortir avec ma mère et je vous retrouve dehors. Je suis dehors avec ma mère. Voilà, voilà. Je vais aller à la parapharmacie, m'acheter une crème Avène. Hello! Arrête. C'est moi, sa mère. Malheureusement. Malheureusement. Bon, il y a pire, ok. Donc voilà, bah, je vous retrouve juste après, donc j'aurai acheté le produit. Donc voilà, je viens de rentrer, donc j'ai fait un peu plus d'achats que j'avais prévu. Donc voilà, parapharmacie qui est en bas de chez moi. Je me suis acheté deux crèmes pour. Donc deux crèmes Avène pour un total de 15,74 €. Donc voilà, voilà. C'est pas cher pour deux crèmes que j'ai achetées. Donc de chez Avène, tac. Donc j'ai après. Donc j'ai pris la. Donc la Avène, la cold crème, donc c'est une crème pour peau sensible à très sèche, donc à appliquer deux fois par jour sur la peau. Donc nanana, riche et onctueux, ce cold crème est spécialement destiné aux peaux sensibles sèches et très sèches, à utiliser aussi bien pour le visage que pour le corps, chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte. Donc voilà, donc une petite crème, c'est un peu pas mal, donc pour mettre chaque jour, donc le matin et le soir. Avant de dormir, donc voilà, c'est pas mal. Après l'odeur, j'ai pas encore senti. Je le vois avec vous. Alors l'odeur. L'odeur est pas mal, ça sent la crème quoi. Ça sent un petit. Ça sent bizarre, mais. Mais ça pue pas, donc dans tous les cas, c'est pour le bien de ma peau, c'est pas comme ça pour le plaisir. Donc voilà, et la deuxième crème. Donc, c'est la Cica Alphate, je pense que ça se prononce comme ça. Crème réparatrice, donc peau sensible et irritée. Donc, irritation des couches superficielles de la peau à la suite d'agressions diverses, dont les actes dermatologie mineurs, donc pour nourrissons, enfants ou adultes. Donc, pour ceux qui ont des vergetures, sincèrement, ce serait pas mal. Donc, vous l'appliquez sur les vergetures et sincèrement, ça part. Donc, j'ai eu plusieurs avis de plusieurs youtubeuses et elles m'ont toutes dit que, enfin, dans leurs vidéos, elles ont toutes dit que il était super. Donc voilà, donc je l'ai pris aussi. Donc deux petites crèmes pour 14,74 €. Voilà, ça fait pas mal. Donc là, je vais me remettre sur le canapé, à glander comme d'habitude. Mes amis arrivent dans 40 minutes. Dans 40 minutes. Et on va répéter la danse. Donc je vais filmer un petit peu, etc. Il faut que ce soit la surprise. Donc je vais filmer juste des petites parties. Donc voilà. Parce que je fais une journée dans ma pause pour YouTube, donc voilà. Compagnie 2, attends, voilà, on voit pas. Voilà. Lorraine, donc on va répéter un peu la danse. On va pas vous montrer parce que c'est la surprise pour tout à l'heure.
Et donc on va répéter, on va mettre la musique et tout. Et après on sort pour aller direct le spectacle. Voilà. Donc voilà, on va au spectacle. Le stress, beaucoup de stress. C'est bon. Bah là on se rend au spectacle, comme je l'ai déjà dit, ça fait 3 fois que je dis, c'est pas grave. Donc voilà, bah, je vais filmer à l'intérieur et tout, etc. Putain, j'ai le stress, oui j'ai le stress, beaucoup beaucoup. Donc voilà, bon, on fait plein de gros bisous et on vous dit à tout de suite. Je viens de rentrer du spectacle de danse. Genre, il y avait une fille, Tanaï, je peux faire une photo? J'étais comme ça. La deuxième, direct. Genre, tu vois, j'étais agressée. La troisième, tu vois, j'étais agressée. Peu, dès que l'autre est fini, direct l'autre. L'autre. J'ai de tous les côtés, je faisais des photos et tout. C'était vraiment trop, trop bien. Mais vraiment, c'était genre comme un mini meet-up. Et vraiment, j'ai adoré de vous avoir rencontré. C'était vraiment tip top. Donc, je viens de finir. Voilà, vous avez vu la choré. J'espère que ça vous a plu. Donc il y en a d'autres qui vont dire que je danse mal, il y en a d'autres qui vont dire que je danse bien. Chacun ses goûts. Ça fait, pour ceux qui demandent, ça fait 5 ans que je fais de la danse, du hip-hop en particulier.
Donc voilà, et genre avant de partir donc à la danse, mon père, il était parti à Nantes pour 4 jours, 4-5 jours. Il est parti à Nantes et il y avait un livre que je voulais tellement, donc ça cache ce carnet. C'est magnifique. Voilà, j'ai déjà commencé. Hop, voilà. Hop, voilà, j'ai un peu commencé. Et donc voilà, bah, prochaine page. Donc voilà, bah, je vais vous laisser maintenant puisque voilà, je vous posterai d'autres photos sur Instagram. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo Une journée dans ma peau vous a plu. Donc voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao! Take a look past our innocence. Take a step.